nous sommes repartis à 14h50. On passe devant les silos. On va faire un tout petit peu de goudron. On va reprendre un sentier et longer l'ancienne voie ferrée. Nous venons de quitter les silos. Et c'est bien, on n'est pas obligé de faire du goudron. Il y a une bande d'herbe assez large jusqu'au prochain sentier. Donc c'est bien. Bon, ben, nous suivons une petite route vers les Épenouses. Ben, c'est une route goudronnée, pas très intéressante. Et en plus, on ne peut pas trotter parce que les bandes d'herbe, il y a des fossés, les herbes sont trop hautes, on ne voit pas dans quoi on trotte. Donc c'est bof bof comme chemin, quoi. Alors, on passe sous la voie ferrée. Ah, ma Juju. Après, on prend à gauche et on passe sur le pont de du ruisseau. Ouh, ouh. Et si ce pont, je pensais que c'était un tunnel, moi. Bon, alors, ce chemin est à éviter et pour cause. Oh, les petits veaux qui sont jolis. Et Juju a eu très peur, hein Juju, t'as fait demi-tour au grand galop. Donc je pense que si on passe par là avec nos chevaux, ça va vraiment pas le faire. Donc faut pas passer par les pinous, faut trouver un autre chemin. Ou alors faut changer. Allez, viens Juju. Oh, elle a eu très peur là Juju. Devant les vaches. Voilà les pelouses. Et nous continuons ce petit sentier tout droit. On dirait qu'il n'y a plus de sentier, mais bon, si peut-être là au-dessus, on ne voit pas bien le sentier. Voilà, c'est galopant comme chemin, tiens. Ça a l'air pas mal du tout, ce sentier, là. On a Juju. Là-bas, on peut distinguer le bout du clocher de Vieille-Vigne. On est presque arrivé là. On peut perdre des cartes, c'est bon. Les sentiers sont herbeux, là c'est agréable. C'est galopant. Hein, bye. Et voilà, nous reprenons la route de Magny pour reprendre ensuite le chemin qui longe la lisière du bois. Et pour rentrer sur Orsay. Voyons voir, quelle heure est-il? Il est 16h49. Ah oui, quand même. 16h49. On s'est pas arrêté très longtemps à Belle, mais le bilan, bon, le bilan à l'aller, c'est très bien parce qu'on traverse la forêt, c'est sympa. Le retour, il y a quand même pas mal de goudron et puis ce troupeau de vaches à Épenouses, c'est pas terrible. Donc c'est, à mon avis, c'est bof bof quoi, comme balade avec plusieurs cavaliers, ça risque de pas le faire. Voilà. Donc par contre, ce qui serait bien de faire, par contre, c'est la Dame Alix. Là, oui, il y a 14 km de chez nous. C'est pas mal la Dame Alix. Donc voilà. Pourquoi pas faire la Dame Alix aller-retour. Et puis à la limite, repasser par ce bois au retour pour changer un petit peu. Bon, on verra. Un petit raccourci dans la verdure, hein, pour de prendre bêtement le chemin qui traverse le bois. Hein. On a pris une petite variante quand même, c'est sympa. Ah bah tu connais les bails là. Ah, hein, oh, ils ont mis des brioches oranges maintenant. Ah oh bah c'est de mieux en mieux. Ah bah ça c'est super pour faire feu rouge, c'est grillage orange. Hein, du coup. Ça alors là, c'est mieux que tout, là, vraiment. Ils se sont surpassés. Les gens, on a des petits trucs qui flottent, voilà. Et ça tu connais, on les a déjà vus l'autre jour, ouais. Ça flotte, c'est mignon, ça craint rien, voilà. Tu connais.
en 5h30 et nous terminons notre dernière ligne droite. Voilà, voilà. Le soleil jusqu'au bout, toujours un peu de vent, froid, mais bon. Donc ça fait à peu près 7 heures, mais en fait il faut compter 2h30, 3h pour faire Arcelot-Besse par Vévrotte. 2h30, 3h à peu près. Nous on a triché, on est passé par les bois et on voulait aller dans les bois, hein Ibaï. Puis dans les bois on a tournicoté un petit peu pour voir un peu où ça menait les chemins. N'est-ce pas, ouais. Je ne sais pas faire du tout, non, je suis volontaire. Donc voilà. Nous rentrons au bercail, un Juju. Ça se fait bien d'y voir, hein. Oui, ça se fait. Si Juju peut le faire, tout le monde peut le faire. Même Abel.